Le CHU de Rouen entre dans l'ère de la chirurgie augmentée, une chirurgie moderne associant l'ensemble des outils d'assistance tels que le robot chirurgical et l'imagerie médicale. L'avantage pour le patient d'associer le robot avec l'imagerie, c'est de pouvoir réaliser en routine de manière simple, reproductible, des segmentectomies pulmonaires, qui est une intervention qui est compliquée, notamment pour des tout petites lésions qui sont assez proches du plan intersegmentaire. Donc là, c'est très technique, mais vraiment, c'est compliqué de réaliser ça sans l'ensemble de ces outils. On a besoin des reconstructions 3D en routine. Et on peut faire aussi du planning préopératoire en simulation grâce à cette plateforme qui permet aux jeunes et aux moins jeunes de s'entraîner sur des scanners et de regarder le résultat avec les reconstructions et se rendre compte de l'intérêt de cette image. Voilà, c'est une culture chirurgicale qui est différente, mais qui est en fait qui a été rendue obligatoire par le mini-invasif. Autrefois, quand on ouvrait en grand, bon, s'il y avait une variation anatomique, on s'en débrouillait. Maintenant, on chasse la surprise. Quand on présente ces reconstructions, il n'y a pas un chirurgien qui dit « j'en ai pas besoin ». Tout le monde est d'accord avec ça. On est arrivé déjà très haut dans l'assistance technique avec la robotique. Ce qui va beaucoup progresser dans les 5 ans, c'est l'assistance par l'imagerie. L'imagerie préopératoire, l'imagerie peropératoire et probablement l'imagerie virtuelle qu'on associera, qu'on fusionnera avec l'imagerie opératoire. Plus de l'assistance cognitive avec des experts qui pourront en temps réel proposer des solutions techniques si on a des difficultés. Voilà, à mon sens, l'évolution de la chirurgie de demain qui sera assistée par la main, le robot, mais aussi l'image et la réflexion.